Alors, Édouard Marchal, je suis délégué syndical du Syndicat national des journalistes, SNJ, et secrétaire adjoint du comité social et économique du quotidien de la Réunion. Alors, effectivement, c'était hier la date limite pour le dépôt des offres dans le cadre de la procédure de liquidation, cession du quotidien. L'administrateur judiciaire nous a transmis ce matin les offres de reprise. Il se trouve qu'il y en a trois qui ont été déposées. Donc une qui émane de l'imprimerie Shanban, IC Perotto, une qui émane d'une société provisoirement baptisée Nuco, qui est portée par Jacques Tillier, et une qui a été déposée par la société Média Capital de Henri Nijdam, qui était déjà présente, qui avait déjà déposé une offre dans le cadre de la première période de poursuite d'activité, le premier appel d'offres. Il avait déposé une offre le 15 novembre de l'année dernière. Est-ce que vous avez pu prendre connaissance un peu du contenu des différentes offres et qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, on a commencé effectivement à les regarder. On va poursuivre l'examen de ces offres d'abord avec l'administrateur judiciaire lundi en CSE extraordinaire, lundi après-midi. Et on souhaite également échanger avec les candidats à la reprise dans les jours qui viennent pour pouvoir avoir des précisions sur leurs offres, étant entendu que ces offres peuvent évoluer jusqu'à l'audience du tribunal de commerce qui est prévue le 27 mars. Alors pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas pu les regarder en profondeur et on attend d'avoir une expertise juridique approfondie. Ce qu'on déplore à première vue, hein, c'est qu'aucune de ces offres, pour l'instant, ne prévoit la poursuite des contrats de travail des journalistes. Donc c'est quelque chose qu'on aura à échanger avec les candidats à la reprise pour comprendre ce processus et éventuellement le faire évoluer si possible.